Un après-midi au soleil, les pieds dans l'herbe, allongés comme il se doit avec de bons livres, si ce n'est le paradis, en tous les cas, ça y ressemble bien. Et si l'idée vous tente, sachez que l'opération Un brin de lecture vous est offerte par les médiathèques d'Issy-les-Moulineaux et le Conseil Général, en plein cœur du parc de l'île Saint-Germain, où vous attendent BD, mangas, journaux, magazines, romans et livres en tout genre. Ce salon de lecture est ouvert à tous, à tous les promeneurs notamment, ou tous les lycéens qui sont là au mois de juillet, au mois d'août. Donc on y vient soit parce qu'on en a été informé, soit complètement par hasard, au détour d'une promenade donc au sein du parc de Lille. Donc on ne peut pas manquer en fait le lieu, le salon de lecture, puisqu'il est situé juste en face de la grande halle du parc. Là, je leur lis La petite poule qui voulait voir la mer. Profiter à la fois de l'extérieur et de bouquins, c'est vraiment, ça fait vacances déjà. L'ambiance est super, l'équipe est sympa, vraiment, enfin oui, je le recommande. Ça occupe un peu les enfants, ça occupe les mamans, ça nous relaxe un peu parce qu'il y a des compteurs en plus, c'est super. Des animations viennent en effet ponctuer cette troisième édition de la médiathèque Se met au vert qui invite petits et grands les mardis, mercredis et jeudis après-midi des mois de juillet et août à la lecture. Bah, c'est bien de lire et je trouve que c'est plus naturel quand on lit sur l'herbe. Enfin, voilà. C'est bien parce qu'il y a pour tous les âges, il y a tout ce qu'on veut, il y a les magazines, il y a les BD, il y a les mangas, il y a tout quoi, il y a les romans, poésie nouvelle, il y a tout. Si je devais résumer l'opération en quelques mots, je choisirais les mots suivants: convivialité, échange, plaisir de la lecture en plein air, intergénération, puisqu'on voit un public jeune ou moins jeune, très familial, et plaisir d'être ensemble.